bon matin, c'est moi, Chantal. Papa ou Chantal, je veux vous parler de ces plats-là, OK? Ils sont dans la brochure des spéciaux. Ils se vendent en paquet de 2, 37,50. Si vous en voulez juste un, on se prend en deux, ça fait 18,50 chacun, OK? Ça, là, c'est des plats pour ta vie, OK? Quand, là, quand j'étais jeune, là, ma mère en avait... Vous ne devinerez jamais ce que ma mère en mettait là-dedans. Ma mère, là, c'est tout ce qu'elle mettait dans son porte-avis. Les autres, là, ils les appellent les plats de Pâques. Ma mère, elle mettait sa perruque. Parce que quand j'étais jeune, là, c'était la mode, les perruques. Puis elle la mettait dimanche après la messe. Elle fourrait sa perruque là-dedans, toute bien coiffée. Puis elle passait la semaine dans sa petite marotte, là. Fait que moi, ça me rappelle ça. Ça, là, c'est un plat porte-avis, OK? On rentre ça là-dedans. Si on n'en veut pas la ganse, là, on s'en sert pas, c'est pas grave, là, hein? On la laisse. Bon, on peut mettre notre cassonade, notre farine, on peut mettre des ingrédients à sec là-dedans, OK? Parce qu'il est hermétique. Il est facile à ouvrir. Il y a une belle grosse langue ici, là. OK? Comme les boules merveilles, OK? Il est merveilleux, OK? Alors, ils viennent en paquet de deux couleurs comme ça. 37,50, je vous l'ai dit. Juste un, 18,50. Ça, ils les appellent les plats de Pâques. Pourquoi? Parce que Pâques s'en vient. Hein? C'est évident. Alors, on donne ça en cadeau aux enfants. On met tous les chocolats, les petits cossins. Allez faire un tour au dépanneur Pierrette. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas été, là. Il y a plein de bonbons. Alors, on fait un beau paquet de cadeaux pour offrir un cadeau pour faire. Puis après, ben, on les garde et on les réutilise pour nous autres. Alors, c'est ma petite capsule. Puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Puis il reste des billets, quelques-uns aussi pour ma loto Tupperware de 500 $ de tirage, 10 $ de billet. Alors, les plats de Pâques. 2 pour 37,50 ou 1 pour 18,50. Au revoir Chantal et bonne journée!